kiss for you. Attends, je vais faire... Bon, allez, bonjour tout le monde, c'est Kevin pour une première épisode sur Farming Simulator 19. Donc aujourd'hui, on va faire une première partie alors, directement multijoueur parce qu'en même temps, on est en stream sur la Gaming TV avec Jonathan, qui stream actuellement. Bah, bonjour à toi. Donc on va créer une nouvelle partie, donc il est en train de la faire, c'est lui qui va la gérer, vu que bah, il a la copour, voilà. Ça n'a aucun rapport avec ça, mais si, c'est un rapport en fait. Donc bah moi je vais vous présenter vite fait le menu du jeu, donc la plaque a déjà présenté le menu quand même assez vite. Donc la première menu, donc c'est le mode carrière, donc le mode carrière normal en solo, où il y a comme d'habitude 3 jusqu'à 6-7 sauvegardes, je crois que c'est ça. Ouais, même plus que ça, il y a autant... Comme toutes les farming, hein. Ouais, c'est sauvegarde illimité même. Voilà, donc et quand on clique sur la nouvelle partie, vous avez 3 modes de carrière. Donc nouveau fermier, donc ça c'est le style qu'on connaissait déjà sur Farming 17, mais c'est le mode facile. Gérant de la ferme, c'est le mode moyen, et partir à zéro, c'est le mode difficile, voilà. Ensuite, comme d'habitude, vous avez le mode multijoueur, donc en passant, on ira tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire en game tout à l'heure. En zéro, deuxième ou troisième partie? Mais le troisième, ça sera plus de challenge. Troisième mode? Ouais. Dictaticiel, bon, quand le dictaticiel, tout le monde connaît, bon, c'est comme tous les jeux, c'est pour apprendre à... L'Europe. Voilà, c'est pour apprendre à faire du civiculture, du pressage, etc., etc. Bon, ça, on va l'apprendre petit à petit. Les modes, donc ça, c'est quand on aura des modes. Bon, pour l'instant, il y en a quelques... Non, il n'y en a pas de modes, je crois, j'aurais tant. Pour l'instant. Non, il n'y en a qu'un pour... C'est, les créateurs... c'est que les collecteurs, qui ont le mode. D'accord. Après, vous avez les succès. Donc, atteindre 10 heures de jeu dans cette partie, posséder 10 millions sur votre compte en banque, terminer une mission, etc., etc. Si c'est les succès du jeu. Et le crédit est quitté. Bon, on va pas quitter, c'est vrai. Alors, on va attendre que j'attends, mettre en place sa partie. On va même dormir le petit jour, on va commencer à rejoindre la partie. Bon, je crois m'emmerder à créer un personnage, c'est pas le truc de premier objectif. Je vais créer vite la femme avant que tu rejoignes ou quoi? Ah non, non, oui. Bah non, je vais arriver, non, je vais le faire avec toi, je vais t'aider. Bah, ce sera bien pour la vidéo de créer la ferme. Créer la ferme, quand tu dis créer la ferme, c'est Bah, échappe, ferme... Ah non, ça tu peux le faire. Moi je pourrais pas le faire de toute façon. Donc en live, il y a Jonathan qui va créer une ferme en multijoueur. Alors, une pour l'instant, on verra ça plus tard si on en met une deuxième ou pas. Par contre, ça peut être plus tard, c'est pour le let's play cultif, on verra ça plus tard au mois de mars. Ouais, avril. Le RP c'est. Ouais, le RP c'est de créer directement deux fermes, même si au début on est tous dans la même ferme. Créé... Ah, démarré. Putain, c'est rapide. Par contre, ouais, nous, ce gars c'est plus rapide que le 17. Ah oui. Ça, en plus, c'est lag incroyable. Même pas, c'est ça qui est bien. Donc là, on t'a créé la ferme, donc nous on va aller dans les chapes. Alors la ferme n'est pas réparée, encore, elle n'a pas fini. Donc on va commencer comme farming 18, 17. Bon, comme tous les farming en fait, vous avez vos plantations et tout ça, ça on change pas les habitudes. Hop, voilà. Avec les types de cultures, ce qui est travaillé ou pas. Par contre, c'est un peu bizarre le système pré-récolté. Alors t'as des trucs pré-récoltés au plein milieu du champ 12. Hein? Oui, après, si tu achètes le terrain, tu peux comme tu, c'est ton choix après. Après, bon, les, côté plantation, vous avez toujours le blé, l'orge, l'avoine. Vous avez le coton qui est nouveau. Colza, tournesol, soja, maïs, pommes de terre, butterie, sucrière, radis, oléagineux. C'est nouveau, ça, je crois. Des radis. C'est pas, ouais, c'est nouveau. Peuplier, herbe et canne à sucre, je crois que c'est nouveau aussi le canne à sucre. J'avais pensé avant. Ah là, voilà, Jonathan a créé sa ferme, donc avec un budget de départ de 500 000 euros. Je vais juste le voir. Alors, on va devoir serrer la ceinture, Jonathan. Mm. Donc voilà, donc budget de départ 500 000 euros. Regardez, qui va arriver le deuxième. Je mets toi comme ça. Ensuite, voilà, c'est la gestion des fermes. Donc, pour l'instant, on n'en a qu'une ferme. Pour ceux qui regardent ma vidéo. Donc, on n'a qu'une ferme pour l'instant. Donc, aucun de nous deux n'y sommes de la ferme. Regardez le deuxième.
Elle a créé la ferme, bon, ça on fera pas. On n'utilisera pas la deuxième ferme pour l'instant. Attends, je t'envoie le code privé pour rentrer dans cette ferme là. Ouais. Donc là, il y a deux fermes, mais je pense pas qu'on utilise la deuxième ferme de suite. On verra ça plus tard. C'est pas. On verra ça plus tard. On voit ça en privé, Kev. À part alors, si. Ta ferme que j'ai créée, c'est la ferme de Kevel, c'est ça. En code. Tu veux l'envoyer où? Ah merde, tu l'as envoyé sur Discord. Ouais. Les fermes, je sais pas si on prend deux fermes tout de suite, là j'hésite. Et ma ferme, bah c'est ça. Non, en fait, t'as pas besoin de rentrer dans la ferme en fait. Je sais pas si on fera deux fermes différentes tout de suite ou si on met qu'une ferme et on va dans qu'une ferme, on verra ça après. Ma ferme, c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, on verra ça après. On sait pas, je sais pas. Je sais pas si. Tu vois, j'attends ce que je vais dire. Je sais pas si on fait deux fermes différentes ou si on va dans une ferme. Je verrai. Bah, j'ai écrit la ferme Kevel en cas où, toi. Ouais, on verra. Ensuite, bon, Jonathan, lui, il a pris sa ferme déjà. Vous voyez, là, je sors des fermes. Donc, la ferme 2, il y a personne. Et la ferme de Jonathan, elle est là. Bon, il va attendre, Jonathan, que j'arrive. Si je vais voir. Si je vais dans la ferme ou pas. Bah, si je vais aller dans sa ferme au début. Donc, on va attendre qu'il. Qu'il arrive, que j'arrive pour commencer à travailler. Voilà, c'est les options. Bon, tout le monde connaît les options pour ceux qui regardent les vidéos. Donc, unité de surface, l'hectare ou la crèce. Donc, nous, on utilise surtout l'hectare. Parce qu'on est en Europe. Voilà, etc, etc. Là, c'est les options de touche. Et là, c'est les aides. Voilà. Attends. J'ai les soucis. Moi, j'ai mangé, il a pas aimé. T'as fait quoi comme connerie? C'est pas, il a pas aimé. Bah attends, un petit bug, j'en reviens. Je requitte le jeu, on revient, vous inquiétez pas. Toi tu quittes le jeu, mais je crois que si tu quittes le jeu, la partie reste. Non? La partie reste? On fait un test? Attends, t'as quitté le jeu ou pas? Vas-y, quitte le jeu, on va voir. Mais qu'est-ce que t'as fait comme connerie, genre attends, on va voir. Je sais pas, j'ai pu utiliser le bouton, je sais pas pourquoi. Oui, ça s'est mis à bloquer. Il a un gros nez, Jonathan, un gros nez dégueulasse. Lol. Ah, Kev. Ah oui, c'est pourquoi il est bloqué. J'ai pas sauvegardé. Ah ouais, bah. Voilà, il y a eu un problème. C'est Jonathan qui a pas sauvegardé pour ceux qui regardent la vidéo. Mais là, on est juste dans un mode de présentation, on n'est pas là vraiment pour faire de la. On va pas commencer à travailler dans cette partie-là, voilà. Là, ça me joue très serré. Eh, hors terme. Je sais pas si ça ferait pas la deuxième ferme tout de suite, Jonathan, on verra ça après, plus tard. Si tu crées, ouais, deuxième ferme, putain, ok. La première, et attends, je vais créer la première et après je sauvegarde avant que tu arrives. Ouais, vas-y. Ça va être de nous grand. Donc, dans cet épisode-là, on va faire de déplacement de bâtiments. Donc, voilà, dans cet épisode-là, on va faire déplacement de bâtiments et on va acheter des véhicules. Voilà. Ça va être mon le point. Bordel. Vite fait, tac. Donc la deuxième ferme, c'est le deuxième code en fait. Ok, ta ferme. C'est calme ce matin pour ça en live. C'est bon. C'est bon, il va créer sa ferme et va sauvegarder, comme ça je pourrai arriver. Ah bah ça, on va pas acheter n'importe quoi, déjà on va voir quel terrain on va choisir pendant cette vidéo là. Bah tout sauf le premier, on avait dit qu'on prendrait pas le premier terrain à cause du spawn. Donc voilà. Parce que si les gens ils prenaient le terrain à le même endroit, ça va être le bordel dans le spawn.
Bah non, ça va pas être le bordel, c'est juste que le propriétaire il va se retrouver avec des gens qui vont apparaître dans son terrain, mais bon. C'est bon, tu l'as créé. Tu sauvegardes quand même. Bah, j'ai voulu pas créer la deuxième forme tout de suite. Je sauvegarde. Ouais, parce que je t'ai vu faire dans le live, tu commençais à créer ta deuxième chaîne. Non, non, je sais, non, j'ai pris une mauvaise touche, j'avais créé une deuxième chaîne. Vous avez compris? Ah ouais. Juste, j'ai pris une mauvaise touche. Une touche mauvaise. Mais j'ai compris. Ça fait créer une deuxième fois. Toi, t'as une centaine de parties dans ta... ton jeu. Oui, bah j'ai testé hier avec des. Blancs LED pour en fait. J'ai fait des tests, quoi. Inutile. Europe. Toujours comme ça. Europe. Vas-y, tu peux déplacer et venir. Ok. Bon, on va se connecter. Voilà. Ça, c'est comme ce matin sur le live. Rien à voir avec les autres jours, je te le dis. Alors, je vais dire comme là, je vous ai, même si vous nous rejoignez, je vous ai interdit d'utiliser... Je vous ai interdit d'utiliser le champ 20. À démarrer, ok. Le champ 20 interdit d'utiliser, les gars. Je vous préviens parce que c'est le là l'endroit où il y a le spawn. Si le mec il met sa ferme au l'endroit où le spawn avec ses tracteurs tout ça et les gens qui apparaissent, ça va être le bordel. Ça va être le problème. T'imagines, toi, le mec, aussi, il a créé sa ferme. Hop, pour éviter de se déplacer. Hop, il déplace. Il vient avec son tracteur ici, dans le spawn. Ah hop, ouais. Ici, son tracteur là, il garde là. Tous les gens, ils viennent faire leur véhicule garé là pour repartir pour après. Et t'imagines, le mec, il recrée sa ferme ici. Il met le tracteur, ça va être le bordel. Au spawn. Ça va être le bordel. Donc, c'est pour ça que je lui ai interdit d'utiliser le spawn. Ouais, bah, on commence à voir quel truc le plus intéressant à prendre pour achat de terrain. Champ 18 peut-être. Pour achat de terrain, moi je concède, donc on va partir sur le champ. J'ai fait. Vous inquiétez pas, j'ai déjà fait mon sujet. Merde, je vois dans le véhicule. Champ 18, non. Champ 31. Champ 31. Ah, le petit qui est là. Avec le magasin là. Voilà, parce que là on est plus proche du magasin pour les véhicules. Ouais, bah vas-y, prends le champ 31. On prend le champ 31? Ouais. Moi je peux pas l'acheter. C'est bon, le champ 31 il nous partient. Attends, on va aller vers le champ 31. Regarde, reclique sur la carte et regarde le champ 31. Oui, oui. Tout ça, tout l'entourage, le magasin est dans le. Attends, dans le couvert. On y va à pied au champ 31. Ça fait plus. Mais à pied, je peux pas le faire partir du véhicule. Hein. Ah non, ça fait plus réaliste d'aller à pied. Tu vois, on va pas se TP. C'est pas réaliste de se TP, Jonathan. Ouais. Moi je conseille de changer de terrain. C'est vrai que courir en plein milieu de la route c'est réaliste aussi, mais bon. Voilà. Donc le magasin, donc le seul truc qui nous appartient pas c'est le magasin en fait. Bah il est. Il est si dans... l'herbe devant le magasin ça nous appartient. Ouais, mais bon. Tout ça là, ici là, ça là, c'est nous, ça nous appartient. Le magasin, ça fait comme si ça nous appartient, sauf que les gens, ils ont le droit d'aller chercher leur véhicule. Acheter leur véhicule. Comment on va passer des bâtiments ici? Le bâtiment, ça ne nous appartient pas, mais le terrain qui est du derrière, magasin, ça nous appartient. Comment on peut placer des bâtiments là-dedans? Ah, le terrain, le champ d'herbe, il est assez grand. Par contre, il y aura une mise à jour aussi. Ils ont dit, créateur des fermines, il y aura une mise à jour qu'on peut placer des chemins.
Ah ouais, parce que ouais, c'est ce que j'étais en train de penser. Ouais. C'est un petit défaut qu'il n'y ait pas de chemin. Non, mais ça va être fait, ça, dans la mise à jour, un jour, il a dit. Un jour? Ah. Ils ont pensé, le créateur. Attends, Ça, ils vont mettre ça dans la mise à jour, j'ai envie d'acheter une première cabane. Une première cabane, on va prendre la moins chère, c'est la 9 000 €, ça suffit. Je sais pas si tu peux acheter toi avec moi. Attends, je vais essayer. Ah, tu m'as pas donné l'autorisation. Hein? Tu m'as pas donné l'autorisation de le faire. Ça, c'est le bordel. Attends. Bah, c'est dans l'écharpe et tu mets. Bah, je dois être au même niveau que toi, je rentre la ferme en fait. Ah, il nous reste que 276 vidéos. Ah oui, il faudra se démerder. On va acheter qu'un seul hangar. Tu mets genre la ferme ici. Hein. Ouais, on va acheter qu'un seul hangar pour commencer, Jonathan. Un petit, ça suffit. Vas-y. Attends. Grand Ben. On va acheter. Ah, il y a un semblant de chemin là. T'as pas vu? Hein? Regarde, t'as un semblant de chemin. Regarde. Oui, là, oui, c'est le chemin pour aller au détour au champ, ça. Bon, on va le mettre l'hangar contre le chemin. On va s'emmerder, tu Non, mais vois. ça, un jour, quand on a tout ce qu'il faut, on va raser l'herbe. Oui, mais on va mettre Partout. l'hangar. Regarde, si je retourne, faut que je retourne l'hangar. L'hangar, on va le mettre contre le chemin. Qui va au champ, de toute façon, c'est notre champ derrière. Attention, parce que ça appartient des limites, le champ il nous appartient pas. Ah, mais Il y a des t'inquiète, limites. je le mets de ce côté-là. Bah, tu le vois pas, mais tu vas le voir apparaître. Ici, c'est bon. Ouais. Voilà, et le chemin il est là, les hangars il est à côté du chemin, on met nos objets dedans, et voilà. Bon, un hangar ça suffit parce qu'on n'a pas trop de moyens, lol. Après, faudra acheter quoi? Attends, on a quoi comme champ? C'est un champ de blé ça. Qui est prêt à cultiver, c'est ça? Ouais, il est pas cultivé. Il est prêt à cultiver, donc. Faudra acheter une moissonneuse, je pense, mais Tu bon, quand regardes même. sur la, tu regardes sur la, tu fais la carte et tu vas sur la, Ouais, mais ça je vois vu d'œil. sur machin. Type de culture croissance, ouais. Tu regardes que tu te ressens, si Ouais, il tu est vois prêt si à cultiver c'est. à l'aise. Il est au milieu du. Il est orange, donc il faudra le faire là. Donc, bah, genre, attends, faut acheter une moissonneuse, je pense. Pas d'accord? Ouais. Moi, je te conseille. Je pense que j'ai pas su dépenser l'argent. Est-ce que toi, t'as eu l'argent, toi? En haut. J'ai En 260. Il 560. reste que 260 000 euros. 260. 200. 260 et 201. Point C'est 201. ça, c'est bon. Moi, je te conseille de base de m'acheter un tracteur. Ah oui, c'est un tracteur Et remorque. une batteuse. Tracteur remorque. Moi, je conseille. D'abord, je prends le tracteur pour voir. Je vais voir comment le prix ça fait. Avant je te donne. Après, si Ça tu me veux un dit. chien de tir, le moins cher c'est lequel? Il est où? Moi, je suis à 280. Non, ça coûte. Non. Ah non, trop cher, trop Il cher, trop est cher, trop trop cher. cher. Attends, je suis dans les petits tracteurs, ils sont où les gros tracteurs? C'est tracteur moyen ou grand les John Deere? Le jeune dire, il est dans le moyen. Ah, il y en a un dans le moyen, il coûte 119 000 euros. Oh! Et t'as un dans les grands grands. Ça fait. T'es Non, sûr que tu non. veux acheter un John Deere dès maintenant? Non, mais non, ça plus tard pour jeune dire, je Ah ouais, pense. parce que. Petit tracteur, donc il faudrait quand même avoir un bon moyen tracteur, tu vois. T'es pas d'accord avec moi? Fendt, ça va? Dans les petits? Bah, c'est une belle marque en hein, petit, hein, Fendt. 7 6 000. 76 000, mais c'est un petit tracteur. Est-ce qu'il aura la force de tirer certaines choses? Bah, ça dépend du chariot que tu mets. Après, si tu mets un gros chariot, il va pas tirer. Hein. Si tu mets un petit chariot, oui. Ça dépend de l'objet que tu mets Sinon, derrière. pour le tracteur préféré d'Henri, la Fiat, dans ce cas. Bah, on peut partir sans la Fendt. Ouais, on peut partir sur un Fendt. Ensuite, on va prendre une remorque, on en a besoin d'une, de toute façon, c'est obligatoire. Ils sont où les remorques là-dedans? Elles sont à côté. Remorque. Oh non, on va pas prendre la plus petite à 8 000 euros, c'est complètement con, quand même. On va quand même prendre un bon truc. On va prendre la 12 000 litres. J'ai la 21 000 litres qui coûte 25 000 euros, la Grolineur là. Ouais, mais pas beaucoup, pas plus cher hein. Après, rien que ça, j'ai Attends. monté la puissance du moteur de Fendt parce que ça, les côtes ils montera plus.
Ouais, mais c'est ce que je regarde, t'en as 35 000 euros, ouais, ou sinon on prend la... Ah, il y a marqué la puissance qu'il faut pour la remorque. Ah ouais, non. Merde, qu'est-ce que je fous là? Retour, J'ai le fun, t'as tout. Donc on prend la 25 000 euros, c'est ça? On a dit. Ouais. Ok, bon, j'achète. Bah j'achète pas, on va changer de couleur, on va... les plumes Michelin c'est pas important non. Pour l'instant... Moi, j'ai mis sur le feint, mais après, ça dépend. On va prendre un blanc, ça suffit. 25 000 euros, bon allez on achète pour 25 000 euros. J'ai pris un truc basique, la remorque de toute façon on la changera plus tard. Non. Ça c'est fait. Alors par contre c'est Bah, la là, après, je fais la moissonneuse, remorque. le problème c'est la moissonneuse, attends il doit être combien? Il nous reste 139 000. 136 000. Alors, pour la moissonneuse, je te conseille de prendre La New Holland. le deuxième. Ouais la New Holland. Sans... Ouais parce que ouais Toi, tu peux après... prendre l'ancien si tu veux. Wow, bah non, t'as vu l'état du machin, on va pour aller loin avec ça hein. Le deuxième, et tu prends sa fourche. Ouais, bah, tu as acheté la New Holland. Est-ce qu'on peut la transformer un peu la New Holland? Non, même pas. Non. Le code de vente, pareil, tu prends le deuxième en tuyage. Il nous reste 39 000. Là, ça fait mal. C'est barre de coupe de maïs. Non, c'est pas ça. Barre de coupe pour ancien, on s'en fout. C'est barre de. Non, mais la barre de coupe normale. C'est ce que je Barre cherchais. de coupe normale, À et tu 32 000 prends euros à 32 000. coûterait. Ben on va la prendre, 32 000 euros. Ça veut dire qu'on va Et devoir vendre le blé. Faudra qu'on vende le blé directement. ouais, c'est ça. Ben allez, on est parti pour la coupe. Ben voilà, c'est bon, on a dépensé. Il nous reste plus que 7 000 euros pour la. Merde, je vais en acheter. Il nous reste plus que 7 000 euros pour toute la ferme. À vivre. Et voilà, c'est ça, t'as tout compris. Je vais chercher la Bah, moissonneuse. vas-y, on se met au travail direct, comme ça on va se faire Bah un peu pas tout de d'argent. suite, il reste 22, 22, je suis à 22 minutes de vidéo. On va ramener tout ça à la ferme et après on verra. Ouais. Tu prends le ouais. Entrée pour démarrer. Ah ouais ça c'est pas mal ça, on met ça en plein. Alors, je joue au clavier moi, pour l'instant, faudrait que Est-ce que vous voyez les gens ici à droite, tu vois, t'as le compteur. À gauche, t'as l'essence. Non, à droite, t'as l'essence, et à gauche, t'as la petite clé. Ouais, pour réparer, c'est ça. Pour réparer, ouais. Donc on va... Plus il y a beaucoup de dégâts, plus ça descend, plus ça coûte plus cher pour réparer. Ça veut dire que tu peux pas faire ce que tu peux plus faire comme les anciens FS où tu mets la moissonneuse dans le lot. Attends, je suis... Et plus la barre descend, je pense, et plus que le tracteur va dire que le prochain est à zéro, toutes les réparations, le tracteur il reste sur place. Alors, c'est un truc qu'ils ont mis ça, parce que dans le set, c'est pas les coûts de réparation. Tu vois. Alors on va mettre ça au niveau du chemin. Oh si j'ai bien fait de mettre le petit encart au niveau du chemin. Ça fait quand même plus propre, ça fait plus réaliste. Même si ça fait bizarre mais bon. Bah là on va laisser la moissonneuse là. Bon bah voilà. On a préparé tout ça. Un petit encart, un tracteur et une moissonneuse et voilà. Et il nous reste 7 000 euros pour faire tout le reste. On va pas vendre les blés. Alors on va être obligé de vendre le blé et après ouais. Ouais. Bah, on n'a pas de. On est obligé parce qu'on n'a pas de stockage. Eh bon, On n'a pas le petit choix. c'est vrai, je suis en train de penser. Bon bah moi je vais arrêter cet épisode là, donc on a fait la présentation du jeu dans cet épisode vite fait bien fait. Parce que bon tout le monde a déjà fait la présentation. On a commencé à placer la ferme de Jonathan. Parce que c'est la ferme de Jonathan celle-là. Donc pour ça je reste dans sa ferme parce que je vais l'aider à travailler quand même un peu et essayer de faire monter un peu l'argent parce qu'avec 7 000 euros, si je voulais être dans une autre ferme, il va pas être content, il va se dire mais qu'est-ce que je fais maintenant moi? Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit ça, c'est pour ça que c'est ce que je t'ai expliqué tout à l'heure avant de la faire la vidéo. Toi, il te reste 7 000 euros, moi je repars à 500 000 euros. Voilà.
Donc bah moi je vais vous laisser sur cet épisode de Farming Simulator 19 et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus tout le monde.